Bien salut tout le monde, c'est Lee de Tap. Aujourd'hui on se retrouve sur Poupy Playtime pour le chapitre 1 et 2. Allez, c'est parti. Hop hop hop. Mais avant que la vidéo commence vraiment, je tiens à vous dire que le fichier de toute la traduction dans cette vidéo est dans la description, si jamais vous voulez l'utiliser vous-même. Bien qu'à l'heure actuelle, le chapitre 1 est déjà traduit. Ouais. Enfin bref, tout est dans la description. Bon visionnage. Chapitre 1. Une cravate pressée. En tant qu'ancien employé de Playtime et compagnie, vous revenez finalement à l'usine plusieurs années après que tout le monde ait disparu. New game. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Oh, alors, tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans. Nous sommes toujours là, trouver la fleur. J'imagine c'est du courrier qu'on a reçu chez nous. C'est drôle parce que la situation du personnage dans ce jeu me rappelle de celle dans Bendy and the Ink Machine. Le mec c'est un ancien employé pareil. Et ouais, bah il retourne à sa ancienne factory. Cassette verte. Tab pour voir les items qui sont là, ok. Cassette verte dans le lecteur VR, très bien. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ouais, t'inquiète, mec. Il y a une porte avec des couleurs. Qu'est-ce que c'est? Hop, pour interagir. Oui, j'ai cru comprendre. Bref, j'imagine qu'il faut un code. Allons voir l'autre pièce du coup. Il y a quoi ici? Oh, je peux sauter. Yeah. Ok. Très bien. Ah. C'est mal la gueule du bébé. Bonsoir. Un petit train. C'est une boutique ça. Un jouet plein de sang. Yes. Vert, rose, jaune... Attends, c'est quoi? Vert, rose, jaune, rouge. C'est ça le code, peut-être. Vert, rose, jaune, rouge. Ouais, c'est bon. Vert, rose, jaune, rouge. Oh, ça, c'est la... l'endroit de sécurité, ça. Ok, donc faut une cassette bleue. Ah bah, voilà, hop. Grab pack.
serrer les languettes. Maintenez les deux canons. Appuyez pour tirer. Appuyez encore une fois pour rétracter. Maintenir pour agripper un objet. Ne pas tirer sur les employés. Ah, ça va. Les fils sont conductibles. Efficaces pour le... rewiring, j'ai oublié ce que c'était. Très bien. Donc c'est ce truc là du coup. Oh. Donne. Hé. Us. Trop bien. Bah du coup on peut ouvrir cette porte. Us. Hey, salut. Tape là. Nope. Ah ok, il a esquivé ma main, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Puggy Wuggy, 1984. Playtime et compagnie a conçu des centaines de jouets distincts. Mais aucun n'est plus lié aux gens que celui de Huggy Wuggy. Notre fondateur, Elliot Ludwig, avait pour objectif de créer un jouet qui pourrait vous faire des câlins pour toujours. C'est toujours vrai, le processus en 4 étapes pour créer des jouets les plus réalistes de Playtime Company a été un succès. Avec un peu de ficelle et de polyester, notre adorable copain bleu Huggy a pris la vie. Huggy Wuggy est devenu le jouet le plus populaire et le plus vendu de Playtime Company. Très bien, et un bouton. Hop. Oh. Tellement ça. Merci mec. Donc ça on peut l'ouvrir du coup. Yes. Bonsoir. Encore un jouet mort. Souvenez-vous. Soyez gentils les uns les autres, montrez à l'heure, ne vous cachez pas derrière les portes pour effrayer la FPR. Ok. Pas faire, restez après 20h, abusez du temps de la compagnie, trafiquez les machines, ok, et entrez dans l'aile innovation sans autorisation. Très bien. Vous avez vu que le rester après 20h, c'est pas rassurant ça. Oui d'ailleurs, il est quelle heure dans le jeu là qu'on y va parce que... T'as eu du sang partout. Oh putain. Toucher les... Hein? Attends. Ouais, de ouf. On doit toucher. Donc toucher avec le fil pour power. Ok. On a un autre. Ouais, ici. Hop. Yeah. Wow. Huh. Huggy Wuggy. Très bien. Bon. Il est pas derrière, non? Il va me sauter dessus d'un coup. Make a friend. Ah, ouais, oui. On sait où est Huggy Wuggy, du coup. Des escaliers vers l'enfer. Ah, je suis obligé d'y aller. Eh, vas-y, fais plus jamais ça. Il est pas au-dessus de moi. Je ferme derrière. Encore des jouets. Putain, il y a encore cette tête de bébé là. Oh, ça fait trop peur. Un lecteur jaune. Est-ce qu'il y a la cassette pas loin? On peut tout pousser. Yep. Oh putain. Ok, je peux pas pousser ces cartons là. Ah si, je peux. Il y a rien derrière. Il y a une grosse tête de Poppy, mais... T'as même pas de cassette. Déçu. Bref. Montons et voyons ce qu'il y a. Ok. Huggy a dit
Souvenez-vous de prendre des pauses. Les pauses plus longues que 10 minutes ne sont pas permises. J'imagine c'est quoi là-haut? Je sais pas, ok. Ok, un cube. Je dois le mettre là, non? Ok, donc il me faut un rouge, jaune et vert. Rouge, jaune et vert. Je peux descendre? Ouais. Ok, rouge, jaune et vert. Et une cassette. Ah, ça je peux l'ouvrir, non? Ok. Ah, le rouge. Jaune et vert. Oh putain, bah jaune. Ah, bah il est là. Attrape. Et ça du coup c'est quoi là? C'est une main rouge. Ah, c'est pour ouvrir cette porte, ok ok. Attendez, je dois trouver une cassette jaune. Ah putain, elle est là, je croyais que ça faisait partie de du décor de la boîte. Bon, voyons de quoi il s'agit. Rich, where are they keeping the huggy boxes? Il s'appelle Rich. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes. Oui, vénère. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything. Pour les orphelins. Is that even a word? Abominable. Obidable. Quoi, ils font les jouets pour les orphelins du coup? Donc ok. On a rien vu, hein. Il a pété la vitre. Hop. Effectivement, c'est une main rouge. Pour foutre des claques. Putain, mais... ces têtes de bébé, ils me font tellement peur. J'espère qu'il y en a pas un qui va nous courser après. Hop. Oh putain, ça m'a fait peur. Ça me retourne, il y a le bruit de la porte. Ok, allons-y. On n'a pas une lampe? Oui. Bonsoir. Ça s'ouvre pas. Grab pour compléter le circuit. Ah ok, donc il y a un truc de fil électrique. Ça on peut pas monter, donc il y a une tour là. Ouais. Ah merde. Peut-être que je tombe de l'autre côté. Hop. Hop. Ok. Ok, simple, easy. Très sombre. Il me jette des jouets à la gueule. Bah, c'est fini, oui. Ah. Une tête de bébé. Bonsoir. Hop. Créer un ami. Ok. Favoriser le bonheur. Adopter un orphelin aujourd'hui. Ah, c'est de ça qu'il parlait dans le... la cassette. Attends, ils disent quoi là? L'initiative Playtime Company Foster et Adoptive Care s'efforce de créer une permanence dans la vie des enfants orphelins en recrutant des parents adoptifs et foster, je sais pas, au sein de notre propre organisation. Nous encourageons tous les employés de Playtime Company à participer à notre mission en accueillant ou en adoptant un enfant orphelin. Les employés participants peuvent être admissibles à des avantages supplémentaires. Cette initiative aide non seulement les enfants de la région du Midwest, mais aussi les orphelins du monde entier. Chaque enfant mérite une chance à une nouvelle vie. D'accord. C'est donc ça qu'il parlait tout à l'heure.
Alors, Crée un ami. Crée un ami, 1960. Notre fondateur Elliot Ludwig était un visionnaire. Il a préparé le terrain pour tous les plus grands exploits de Playtime Company. Pourtant, de toutes les choses étonnantes qu'il a créées, le Make a Friend Machine, donc la machine Crée un ton ami, est l'une des plus créatives. Impressionnante et avancée, il est le seul responsable de presque tous les jouets Playtime Company. Vendu sur le marché à ce jour, tout ce dont il a besoin, c'est d'être alimenté avec les pièces appropriées, puis il peindra, assemblera et effectuera lui-même les inspections de la qualité du jouet. Fini le besoin de trier complexe ou de travail éreintant. Cette machine peut faire tout cela et plus encore. Donc en gros, c'est une machine à créer un jouet, quoi. Make a friend. Enfin, quoi, need power. Ok, j'imagine faut monter du coup. Ah, un lecteur rose, très bien. Faudra trouver une cassette rose. Ah, genre cette cassette là. On va la lire tout de suite. Hop. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. D'accord, merci. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? Okay. All right, I think we're getting a little off track. Je m'étonne. Hop. Ok. Donc il y a un truc de power, là il y a une tour, deux tours même je dirais. Ah. Aïe. Ah putain, tu pètes un genou. Est-ce qu'on peut mourir de chute du coup? C'est quoi ça? Non, ça c'est le 2, ok, donc je dois relier les deux. On peut tirer la plateforme. Ok. Allez, on va voir. Donc, hop. Donc, si je vais par là, j'imagine ça va être court, non? Ouais, ok. On tire ça. Hop. Et on peut le... Ah, mais comment je fais, moi? Oh putain, attends, je vais me faire tomber. Mais c'est bon ou j'arrive pas? Attends. Bah alors, connard. On peut pas marcher sur le... Ah, attends. Ah ah. Je pourrais le tirer là. Yes, ok. Là on peut relier les deux. Ah, pas comme ça du coup. Si je fais ça comme ça là. Hop. Non. On va refaire la même mais à l'envers. Oh oh. Let's go. Yeah. Oh. Ok. On va éviter de se péter un genou encore. Ça fait déjà deux fois. Plus. Oh là là. Je fais des parcours moi, qu'est-ce qu'il y a? Bien, faisons un ami. Ah, oh, c'est fort. Attendez, je vais peut-être baisser. Je tiens mes oreilles quand même. Ah, c'est bien un peu mieux. Ok, et maintenant? Ah, faut tirer, ok. Plus. Ok. C'est quoi là? Ça sort des pièces de jouets? Ouais. Il me suit des regards. Tiens, dans ton œil.
Ah, il les a peints. Ok. C'est quoi? Ça va être une abeille. Ouah. Si tu... Un chat abeille. Un chat abeille, du coup. On peut le prendre, non? Ouais, ok. Oh. Il me transporte. Et j'en fais quoi de ce jouet, moi? Personne part sans un jouet. Ah bah voilà. Oh, oh, oh putain. Salut, us. Enfin. Ok. Yes. J'aime pas trop ce que j'entends. Et oh putain, ok, il est là, salut. Ah. Ok, ok, je me retourne même pas. Cours, cours, cours. Ok. Ah, ok. Cours. Ah, il est derrière. Oh, vite. Ah. Ah. Oh. Ok, ça s'est ouvert. Vite. Ah. Pourquoi il est lent? Oh putain. Oh merde. Ah si, c'est bon. Ok. C'était stressant. Il est mort ou... Putain, mais même lui, il perd du sang. C'est... Ah, attendez, je suis en tremblote là. Ça ne se voit pas, mais même un tremble actuellement. Donc on a la fameuse fleur là du début. Putain, c'est tout calme d'un coup. Bonsoir. Ah, il y a un lecteur là-haut. Ah bah, je crois que j'ai la cassette. Très bien. Donc, voyons ce qui est de celle-ci. Ouh. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not, end of... Ah. Mon avis est mort, lui. Ok, très bien. Eh ben, allons à la fleur, du coup. Il y a plein... Ah, il y a plein de jouets pendus. Eh, mais ce dino, il a l'air blasé, quoi. Non, cours, danger. Retourne-toi. Y a rien. Oh, fait une décoration très ancienne, ça. Petite musique sympathique. C'est une vraie maison, ça. Ok. Pas tirer les deux. Une petite maisonnette. Wow, ça a l'air chaleureux là-haut. Aïe. Bonjour. C'est Poppy. Ah oh, putain, fait flipper. Ah oh, mais les yeux noirs en plus. Ah, ils sont plus noirs ces yeux. Non, c'est pas moi. Ok, donc fin du chapitre 1. Très bien. On peut pas skip. Bon, voilà pour le chapitre 2 de Poppy Playtime. Let's go. Ouh. Chapitre 2. Voler dans une toile. Avec Poppy maintenant libre, la situation commence à changer rapidement pendant que vous cherchez un moyen de vous échapper de l'usine. New game. Let's go.
Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Oh. Ah, attendez. Bon, il n'y a pas de sous-titres, malheureusement, c'est pas grave. Donc, du coup, on a Poppy avec nous. Il y a un vieux filtre. Ah, c'est bon, il y avait un filtre là, j'ai pas... C'est pas ouf. Très bien, donc là, c'est fermé. Ok, on peut passer là, maintenant. Et... Ok. Il est un peu cassé, le plafond. Hein. On peut toujours pas les ouvrir. J'ai entendu un truc là. Encore un cadavre de jouet. Il y a un putain de trou. Elliot Ludwig. Ah mais c'est Ah ok. On peut pas y rentrer. C'est merde. L'autre là. Ah bah. Allô? Comment on fait? Ah ok. Comme ça. Ok. Does someone need a hug? Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Come closer, friend. Sa voix me rappelle quelqu'un, mais... Ok. Je suis censé arracher ça ou... Ah mais non, je... Ouh. Faut que j'enlève les barils. Hop. Voilà. Comme ça on a accès à la porte. Bonsoir. Je vais fermer derrière. Hein. Une clé. Il y a toujours la tête de bébé là. Bon, maintenant qu'on a la clé. Hop. C'est trop bien, on peut se balancer. Donc on peut rentrer maintenant. Ah ouais, il se met bien. Ah, cassette marron. Ah, il y a une ventilation d'ouverte à mon avis. Ah là, il a la cassette. Qui lui? C'est un tournesol, non? Ah, à mon avis, ça je peux l'ouvrir, mais avant, voir la cassette. Putain, je vais me mettre là. Ah bah non, la chaise. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ah. Fini? Ok. C'est dommage que dans le chapitre 2, par contre, il n'y ait pas de sous-titres. Oh putain. C'est violent, je trouve, comment les objets, ils se cassent. Ok.
tu vois. Oh putain! Sorry, I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. J'avais oublié que t'étais vivante, toi. Ah, du coup, elle est gentille. Et je dois aller où? Ah là. Merci, merci. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Ah. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Okay. As soon as you get on up here. T'es où? Ah. Come on. Attends. Y'a rien d'autre ici? De quoi? Ah, oh putain. Don't you wanna come with me? You're making me sad. Arrête, c'est bon son. Hey, I'm up here. Ah, salut. I see you. Ah. You should be able to follow me through the fence. This way. Je peux y montrer maintenant? Yeah. Mais non, je suis con. Par là, non? Ah bah oui. On peut l'ouvrir maintenant. Wow. Ah ok, putain. Un jour, il y en a une qui s'ouvrira. Ok. Ouais, attends, avant... Ah mais il y a Poppy. Salut. Oh, gros lag. Listen, I'm going to need you to trust me. Ah. Ok. Je te fais confiance, ouais. Et bah... De ouf. Je dois aller faire quoi là? Oh. Je vais m'écraser là. Oh, oh. Mais c'est un tuyau. Ah oui. Mais bon, il y a des toboggans vers là où il y a les gens qui travaillent quoi. Pourquoi? Connard. T'es en train de me dire que... Pourquoi? Bah... Vas-y, quoi qu'il arrive. Ah, attends. Je crois que j'ai compris. Pas pour rien qu'il y ait ce tuyau. Ah. Pas bête, la bête. Du coup, est-ce que si je fais ça comme ça... Oh là là. Aïe aïe aïe. Elle est vachement grande cette pièce, hein, je trouve. Marachel Braz. So love. Isn't this exciting, Poppy? Very exciting, Mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun.
Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ok, sympa. Bah du coup on a perdu notre main rouge, c'est génial. Donc faut aller au truc de jeu là, je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, il y a un nouveau jouet. Mais écoute... Ah ouais, il y a plein de toiles d'araignées. Ah, c'est horrible. Ouais, bon bref, j'ai un petit peu enquêté les alentours, hein, voir s'il n'y a pas un truc. Mais genre c'est une araignée la meuf quoi, fait des toiles. Happy Neve. Mais attendez, il a des yeux un peu bizarres, non? Huggy et... Ok. Huggy et... Et qui? Mais il y a des bruits chelous. Apparemment, il y a une espèce de Huggy Wuggy version rose. Ok, bref, avançons. Je vais voir elle si ça marche. Preparing for departure. 3, 2, 1. Choo-choo. Ok. Choo-choo. Est-ce qu'il accélère? Ici, ici, c'est ça que j'ai entendu là. Be safe and have fun. Oula. Ok, ok, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Hop. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. Ah. See you in a bit. Ok. Je vois qu'il... Ok. Donc j'allais dire, je vois une main verte, et du coup je suppose qu'on en aura une plus tard. Qu'une nouvelle main. Musique Memory, hein. Oh putain, il y a des jouets morts partout. Ok, on peut pas y aller là. Attends, fais voir là. I know when your birthday is. June 28th. It's a wish. Happy birthday. Oh happy birthday. Oh happy happy birthday. Ouais, enfin bref. Bon bah hop, pas d'autre choix de toute façon. Molding room. C'est... Oh, c'est creepy. Waouh. C'est vraiment stylé par contre. Hein. Et du coup il crie quoi ici? Oh! Ah, mais le tuyau n'est pas droit. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des réparations. Mais on crée des mains, non? Est-ce qu'il
qu'il y ait des moulages de main. Ah oui, mais c'est totalement ça en fait. On va se créer une nouvelle main. D'accord. Quoi ? No paint in machine. Ah bon ? Quoi ? Ah, ok. Du coup, faut en remettre, très bien. Y'a quoi ici ? Que dalle. C'est quoi ça ? Ah, c'est de la peinture. Je dois pas l'intercepter ou... Oh ! Si, totalement. Ok, donc ça doit être bon. Hop ! Raccourci. Impeccable. Et hop ! Quelle qualité de peintage. C'était trop bien, donc plus tard, est-ce qu'on pourra aussi s'en procurer d'autres ? Ce serait trop bien. Ah! Et ça fait quoi ça? Oh! Ok. D'accord. Entre guillemets, un nouveau pouvoir. Ok, j'arrive, j'arrive. Bon. Je passe. Bonjour. Ok, bah nous voilà avec une nouvelle main toute neuve. Quoi ici? Oh! Hello, motherfucker! Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Okay. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Très bien. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Ah. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play. Je peux pas sortir. To cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Ok, concentre. Red, blue.
Red, blue, green. Blue, red, blue, green, yellow. Reste en haut, reste en haut. Ok. Y'a pas de violet, bâtard. Ah, il est derrière le violet. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un violet derrière. Orange. Orange. Oh, comment il dit? Merde! Pardon, pardon! J'ai oublié. Ok. Il est pas facile celui-là. Round four. Blue. Blue. Jay. Jay. Blue. Heart. Mais qu'est-ce que... Ok. Oh, c'est quoi tout ça? Round 5. Lenda, lights, Virgo, Tangerine, Violet, J, Blue, Smiley, Bay, Bi, Question Mark, Lights, Revenant, Mellow, Burgundy, Mellow, Lomek, Question Mark, Lomek, Lenda, Lenda, Smiley. Okay. Oh, it broke. Ta faute, hein? That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look on. Oh putain, il est très long ton. Take it. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Yes. On avait besoin. Très bien. Ah, oh. Ok. Attends, y'a pas... Oh vas-y, bref. Ok. T'es chaud vers la fin quand même. Dans les ventilations. Nanana. Je suis sûr qu'il y aura un truc dans les grilles. Je me retourne même pas. Oui. On est où? Play Care, d'accord. Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. What do you call a dino with one eye? Comment on appelle un dino avec un seul œil? Do you think he saw us? Putain. Ok. Ah, c'est trop bien, je le veux moi ça. Quoi ça? On peut pas le prendre? Non.
Rejeté. Article refusé, pierre de compagnie. Une pierre de compagnie. Raison du rejet. Les groupes de discussion étaient confus. Et l'autre, il a marqué, êtes-vous à court d'idées ? Quoi ? Le mec, il a une pierre de compagnie et il a rejeté parce que leur conversation était trop confuse. Il n'y a pas d'autres trucs de rejet ? Si, là. On va tous les lire, c'est drôle. Alors, article rejeté. Owen the Oven. Ok, donc Owen le four. Raison du rejet. Plusieurs cas d'enfants brûlés au troisième degré. Ouais, c'est pas si drôle que ça, en fait. Daisy Marionnette. Trop effrayant pour les jeunes enfants. Quoi ? Alors, les enfants des auditoires de test pleurent pendant la performance de Daisy. C'est cette fleur, là ? C'est vrai qu'elle est pas belle, hein. Reject item, kick me Paul, raison du rejeté, personne l'aime. Ris de la réunion de présentation en révélant kick me Paul. Ouais, ils sont foutus de sa gueule quand ils l'ont présenté en fait. Mais ça se voit, il a une trace de. Une trace de godasse. Bon, bref, hop. Je te pique ton électricité. Par contre, il y avait là les jouets, bah après, c'est peut-être normal. Hein. Qu'est-ce que. Pourquoi ? Faut que je le pousse ? Ah, il y a une cassette à trouver, j'ai pas vu qu'il y avait un lecteur. C'est quoi ça ? Ah, ça c'est des papiers où il y a rien dessus. Et il y a un putain de morpion. Ah, le bâtard ! Il y a une cassette à trouver. Alors, dans tout ce merdier, ça va pas être facile, je pense. Oh non, faut vraiment que je cherche là. Je suis sûr qu'elle doit être au-dessus. Ah, mais il y a une pince au-dessus. Ah, mais attendez. Ah, ça c'est pour enlever le dinosaure. Pff, merde, je suis tombé. Ah, ça me fait peur ! Ah, oh, il manque 2 cm. That's what she said. Vas-y, on va se dépêcher. Hop. On peut la tirer. Hop. Ouais, je guette en même temps si je vois pas la cassette. Allez. Du coup, ça faut le dégager. Mais avant, j'aimerais bien trouver la cassette. Bon, c'est quoi, il est parfait. On va le laisser là. Cette cassette, je sais pas où elle est. Ah putain, elle est là. C'est bon, je l'ai. J'espère que j'en ai pas loupé entre temps. Hop. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here. To the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? Ok. Bon allez, vas-y, on se casse de là. Ah, c'est pas ouvert ici. Ok. Rien par ici, non. Oui. Des bruits bizarres. Hein. Je ramène le... Non, y'a pas besoin. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, reste là, lui. Oh, attends. Hop. Et. Attention. Putain, merde, comment on descend ? Ah ! Comment je fais ? Attends, comment je peux faire ça, là ? Putain. Ça peut pas être une épreuve de rapidité, c'est pas possible. D'avoir un système de... Ah, je sais pas en fait.
peux pas genre ramener un objet, faire un escalier. Genre ça, viens avec moi balle. Regarde, hop hop hop. Putain, il va pas vouloir ce bâtard. Là, contre le mur. Eh, hey, regardez-moi ça là. Voilà. Tu vas faire quoi maintenant? Plus fort que le jeu, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Bonjour. Ah, mais on se retrouve là? Ah, mais elle a bloqué l'entrée. Je peux y retourner? Non. Bonjour. Il est là, lui, maintenant. Ah, elle l'a puni. Pourquoi je peux aller là-dedans? C'est quoi ça? Y'a un code couleur? Ok, bon, on verra plus tard. Ah, attends, si! Je sais! Ça là! Donc, déjà, l'ordre c'est le lapin en premier. Ça! Ok, donc on aura les couleurs plus tard. Très bien, très bien. Wow! You did fantastic! Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs and have fun. Wagga Wuggy. Wagga Wuggy. Ouvre-moi ça là. Oh! Eh, hey, pour une fois que ça s'est ouvert. Mais il y a plein de mains là. Bon, tant pis. J'en ai pas besoin de façon. Il y a même un Oogie Woogie rouge et vert. Rouge et vert? Putain, je le sens tellement pas. Bonjour. Putain. Welcome to Wagga Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. D'accord. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. C'est bon. Around you are 18 sizable holes. D'accord. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Putain de main dans la gueule. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Très bien. Good luck. Easy. Vas-y, je les fume. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. Ah, apparemment ils avaient des ficelles pour les ramener dès qu'ils sortaient, qu'ils étaient trop proches de l'enfant. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible. Je vois très mal, hein. Ah, mais ils vont me sauter dessus en fait si je vais pas assez vite. Dégage! Dégage! Dégagez! Dégage! Toi aussi! Toi aussi! Ah! Je crois qu'il y en avait un au-dessus de moi! De ouf! Ah, je comprends ce qu'il dit. Get up! Et pas, ça se trouve, il y en avait au-dessus. Je sais pas du tout. Attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Peut-être que je verrai un peu mieux. Ok. Pourquoi il était là-haut, je l'ai pas vu.
était là-haut. Ok. Hop, hop, hop. Ah, des fois ça grippe pas bien. Dégage. Ils accélèrent ces bâtards. Y'en a un peu beaucoup là. Oh putain. Ah. Ok. Je l'ai mis une tarte à la fin, gratuite. Oh. Où? Ah, là. Putain, y'a quoi là? Les couleurs. Ok. Only one game left to play. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Though, it's never too late to change your mind. Un peu stressante hein, cette partie. Hop. Ah, je dois monter, mais je fais comment? Faut pas sauter quand même. Ah non. Kissy Missy. Ah, c'est son nom. Attends, c'est sûr que je dois pas aller par là d'abord. Si je trouve un collectible. Ah, mais ça veut dire que la statue que j'ai vue tout à l'heure, là, que j'ai essayé de choper que j'ai pas pu, c'était un collectible aussi. Y'a pas un. Ah si, là-haut. Attendez. Je suis assez haut. Et voilà. Click the button to feed me candy. Tiens. Om nom nom. Feed me more. Om nom nom. Om nom nom nom. More, more candy. Om nom nom nom. Okay, no more candy. My tummy's full. Tiens, bouffe plus. Om nom nom. I said no more. Om nom nom. Stop. Om nom nom. Ah ouais, c'est flippant quand même. Click the button to feed. Non, c'est bon, t'es bizarre, mec. Ouais, wow, y'a de sacré rats dans les ventilations quand même. Power the future. Putain, elle est par là. Y'a quoi ici? Que des trucs bloqués. Eh, hey, t'es pas mort toi? Ah, c'est... Salut.
Ouais. Ok, salut. Bah merci pour le levier. Ah putain, il aura pas pu s'ouvrir jusqu'au bout. Elle a disparu. Ok, encore des jouets morts. Ah, ça à mon avis. Ouais. Ah, je dois passer. Ah, j'ai pas compris, attends. Ah, ok. Ah! J'ai pas compris, je pouvais... Putain, y'a un truc là. Ah mais c'est pour revenir si je me foire, d'accord. C'était complètement inutile de le prendre du coup. Je le reprends. On court, on court, on court. Hop! Allez hop, Barry. On reprend KO, hop. Et il y a une cassette ici. Si je laisse comme ça, c'est bon alors. Ah non. Bon, c'est pas grave. Ah mais je le connais lui. Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-Pars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. And the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Apporte-moi un café. Non, en fait, casse-toi, j'en ai même pas besoin. Allez hop! Oh, oui. Très bien. Zou. Au revoir, Barry. Ah, je pensais que ce serait plus violent. Ok. Ah! Ah, mais non, on est retourné. Ok, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on fait l'aller-retour. Bonjour. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il y a bien les poupées, les petits yogis là, et l'autre là. Il a disparu. Lui là, le lapin. Il est où maintenant ce bâtard? Alors, est-ce que du coup... Donc ça, c'est dans le bon ordre.
rouge, jaune, rouge, bleu. Ah, jaune, rouge, Ah, c'était quoi? Elle est bleue. Ouais. Jeez, have you played these before? You're so good. Merci, merci. Seems like you're ready for the final game, statues. Statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Bah attends, du coup, c'est-à-dire que... Ah oui, non, je dois les activer dans l'ordre. Attends. Du coup, là, le dernier... Elle va nous donner le dernier papier. Et vas-y, le lapin, il peut... Qu'est-ce que... Je le tire où? Là? Yeah! De l'autre côté, peut-être. Non, c'est bien ce côté. Ah, faut que je le tire! Je pense que c'était un levier. Cassé jusqu'au bout. Hein. Donc là, on va faire statue. Donc ça va être un 2-3 soleil, non? On peut aller au-dessus. Il y a quoi ici? Oh! Tu vois, ils auraient dû cacher un truc là. Ah! Des boîtes flottantes. Hungry to learn. Fin d'apprendre. Très bien. Ah, c'est avec le chien chenille. Il est pas beau. Hein. Do you want to play with PJ? I'm hungry for some delicious bones. Do you have some bones for people? You have some bones? Ok, ok, c'est bon. Qui font ça, c'est que ça va plus. Hein? Oui! Ah! Et wesh, laisse-moi voir ce qu'il y a. Ah. Ok. Tac. Tac. Du coup, lui, je lui pique l'énergie pour ensuite. Pour ensuite pas monter. J'ai pas compris. Bah, alors. Ah. Pourquoi il voulait pas que je la grippe? Mais... Attends. Ok. Et eh ben alors, bâtard. je vais canner. Ok. Ah putain. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ah, c'est que ça voulait pas tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est au verrou du coup. J'entends courir. Je me doute que c'est le chien chenille. Welcome to Statues.
This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. D'accord. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. D'accord. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Uh-huh. That's all. Good luck. Tu fais rien dire? It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Oh, pas sympa. Ah mais il avance. Oh. Ok, donc si tu bouges, il accélère. Je pouvais rien faire. Ah si, peut-être me laisser tomber dans la piscine. Un petit peu surpris de le voir accélérer d'un coup derrière. Là. Oh putain, direct. Vite. Vite. Oh, vite. Oh. Je vois R. Easy, je vais aller dans Easy. Je vois rien. Oh putain, vite. Ok. Oh putain. Je sais pas où il est. Oh putain. Je suis tellement mort. Je suis mort. Ah, oh, bâtard! Non! Ah, si, il fait le chemin, lui. Ah, mais je suis mort! Ok, il y a peut-être moyen. Vite. Il accélère là, non? Ok, j'ai pris de l'avance. Ok. Ah! Je dois faire quoi là? Je peux plus avancer? Je suis mort. Ah! Ah, c'est là que je devais aller.
Ouais. Ouais, ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un truc à droite en haut. Ok. Oh, il a accéléré là. Ah si, il accélère quand il est trop loin, j'ai l'impression. Peut-être pas trop traîner, non? Ah! Il y a un trou là. Ah! Vite, ça se trouve, il continue un peu. Hein? C'est trop bas. Mais mec, tu te fous de ma gueule! C'était quoi ça? Bon, ça, j'ai pas besoin de me retaper le chien. Voilà. Dis donc, c'est pas facile des fois. Hein. Du calme, et je vois qu'il y en a pas qu'un. Mommy, j'imagine t'as. Je crois qu'on l'a énervé. Bref, il y a sa famille. C'est bon, calme-toi. Ah, elle est vénère. Qu'est-ce que c'est que ce jouet? Qu'est-ce que... c'est un chien. Putain, encore au-dessus. Hop. Merde. J'ai l'impression d'avoir entendu courir. Cassette verte, maintenant qu'il nous faut. Donc, c'est quoi ça? Non, à côté. Waouh, y a trop de trucs à lire là. Demande de transfert, expérience 1222, maman, mommy long legs. Alors sujet, Mary Paines. Capacité, mommy long legs a la capacité unique d'étirer n'importe lequel de ses membres sur plusieurs centaines de pieds. Ouais, donc ça se mesure en pieds là-haut. Cela inclut ses doigts, ses bras, ses cheveux, son cou, sa taille et ses jambes. Elle est très hostile envers le personnel, mais elle est très maternelle et... agit chaleureusement envers les autres expériences. Ouais, ok. Elle les protège. Ah oui, donc les autres jouets, quoi. Problème. L'hostilité devient vite problématique, mais peut-être existe-t-il une solution pour la remettre à sa place. Ah ouais, carrément. Proposition. Mommy Long Leg serait parfait pour tout faciliter avec les enfants dans la station de jeu. Elle a la chaleur qu'une mère devrait avoir et n'importe quel enfant chahuteur peut apprendre à écouter sa mère. Il est logique qu'elle voit ses enfants quotidiennement améliorer son comportement. Et il est très peu probable qu'elle agisse devant les enfants. Faites-la transférer immédiatement à la maintenance de haute sécurité. Le conditionnement peut commencer. Qu'apporte bien son nom au final. C'est quoi ça? Ah, c'est une pendule. Il y a un truc là. C'est la cassette ou pas? Attendez. Oh, parfait. Quel genre de système c'est ça pour passer, franchement? Water treatment. Traitement d'eau. Oh, la cassette. Ok, let's go. Hop. Jimmy, your work as Playtime Co.'s chief marketing officer has skyrocketed the company's profits.
How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind of... Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. D'accord. Game Station. Est-ce que je dois y retourner ou pas? On va voir si je peux. Ah, attends. Là, c'est pas... ça aligne, là. On va voir ce qu'il en est. Toy Scanner. Ah, j'ai plus le mien. Ah, mais c'est ouvert, là. J'ai pas vu. Hop. Pas un truc dans l'eau? Non, je crois pas. Bonjour. Ok, c'est bon, t'as plus rien à dire. C'est quoi ça? Bah, trop bien. Attends. Ah. Putain, c'est trop bien. Ah ouais. En fait, faut les conduire au bon endroit. Ah, c'est pour que j'en chope un. Ah bah oui, pour que j'y aille jouer. Ah merde, reviens. Waouh, j'ai un jouet maintenant. Hop. Attends, on peut monter encore ou pas? Ah ah. Je suis trop fort. Maintenant que j'ai un jouet... Ok, ça va, c'est simple en fait. Hop. Yeah. Putain, c'est un sacré bordel hein, quand même. Bonjour. Y'a quoi à droite hein? Attends, y'a quoi à gauche du coup? Oh. Ah, cassette rouge. Attends, du coup, y'a quoi de l'autre côté? Oh. Ok. Cassette rouge. Ah, mais ok, ça mène juste de l'autre côté. Oh, salut toi. Let's boogie. The button hurts me. Ah. Ah, ok, à chaque fois, ils disent une ligne bizarre et après, une phrase bizarre et après... Bon, du coup, c'est quoi ça? Que dalle. J'imagine que faut pas faire ça. Bam. Donc, bim. Chiant pour moi. Ah. 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 J'ai coincé ma main. Ah mais il y en a qu'un. Attends, non, il y en a deux, j'ai dit. Et là, ça a ouvert les deux portes. Il faut oublier qu'il y a une cassette rouge à trouver.
Ça me sert à quoi d'ouvrir les deux en fait? Ah mais oui, je suis con, ok. Ah mais c'est une cassette ça! Oh putain, j'ai vu que j'allais tomber. Là je me dépêche, hop hop hop. Ah! Let's go. Plat rouge. Attends. Oula. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please, carry on with your jobs. D'accord. Donc ça se voit qu'ils essayent clairement de faire taire tout le monde, quoi. Hein? Le truc qui a bougé? Peut-être y aller. Ah bah oui, y a peut-être une porte qui s'est ouverte. Ah! Ok. Oh putain. Bonjour. Ah! I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called... Ouf, ouf. Ok. Ah! 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'ai pas entendu le one. Oh. Vite. Ah, gros lag, c'est bon, tout va bien. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, ah là. Laisse-moi y aller. Oh non, pas encore une course poursuite dans les aérations, dans les salles. Non, je l'ai pas eu. Attendez, je peux pas me permettre. Je suis désolé, mais... Non. Bon, bah, tant pis, je vais maniquer. Putain, y'a un truc là. Wow, c'est quoi tout ça? Ok, Ah, peut-être dans l'ordre, non? Rouge. Jaune. Bleu. Vert. Pas du tout. Ah, mais y'a un truc là. Oh. Imagine, elle était au-dessus. Deux. Attends, rouge, bleu. Vert. Et l'autre. Ah, bon, je suis en hauteur. C'était quoi? Rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert, ok. Donc rouge, bleu, vert, jaune. Yeah! Oh! Accours vite, accours vite, accours vite!
pas là. Ah mais je suis mort en fait. Ou pas? Oh. Pourquoi j'ai survécu? Vous croyez que j'aurais dû m'accrocher en haut? À mon avis, j'aurais dû m'accrocher là. Pour me cacher. C'est pas grave. La technique de je me colle et elle me voit pas, ça marche. Elle est apparue où? Aïe 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 aïe. Elle court vite! Enfin, du moins, c'est l'impression qu'elle donne. Oh ce bordel, toi. Oh, ok. Alors je sais pas si elle apparaît au bout d'un certain temps. Ou si c'est scripté. Alors tu vas là, bim, ça apparaît. Tiens, on peut pas la brûler là-dedans, l'autre momie là. Mettre quoi là-dedans? Ah mais y'a un truc là. Je dois le mettre où? Ah bah là-haut tout simplement. Oh, c'est marqué quoi? Liste d'entretien. Assurez-vous que la machinerie n'a plus de débris. Essuyez les surfaces de la machine, de la saleté, du lubrifiant et d'autres débris lâchés. Vérifiez et remplacez les pièces usées ou endommagées. Vérifiez les niveaux de liquide des machines et vérifiez les courroies pour les dommages. Et en dessous, c'est marqué engrenage principal retiré, endommagé au-delà de toute réparation. S'il vous plaît, remplacez dès que possible. Très bien. Bah, je crois que c'est ce qu'on a fait du coup. Un truc à mettre là? Oh, attends. Tu crois que je peux me cramer? Ce serait complètement con. Moi, je vais essayer de mettre ça, moi. Bon, ça a rien fait. Attends, je dis, on peut fermer une porte, mais c'est peut-être pour se cacher aussi. Il y a quoi d'autre, là? Ah, mais je dois juste activer. Oh, je te jure. Ah, attendez. Vous voyez ce couleur noire là? Je le sens mal. Donc je vais préparer le terrain. Si jamais je me fais poursuivre, j'irai là-dedans. Tatat, ferme pas tout. Voilà. Vous voyez, j'ai dit quoi? Voilà. Ah voilà! Ah, mais c'est une course poursuite là! Salut, tape en 5! Check. Ah. Ah. Ah, va trop vite. Ok, je sais ce qui m'attend. Ah, attends, j'ai cru qu'elle me remettait direct là. Ok. Y'a pas de tonneau pour me gêner. Ah. Hop! Tape là! Ok. Je suis mort! Ah, il attrape pas assez vite le gant, je trouve. Et si je prenais une avance de bâtard? Genre comme ça, là. Ouais! Après, je sais pas si elle accélère comme le chien. Oh.
J'ai l'impression qu'elle est vachement proche derrière moi, quoi. Wouh! Us! Je l'ai regardé, quoi! Je suis un peu mort, là. Ah non! Vite, s'il te plaît. Merci. C'est un reflet. Oh. Oh la pu... Vite. Dégage! What have you done? You make me part of him! You can't do this to me! Ah! Ah! Qu'est-ce que... C'est qui? En fait, on dirait pas des joues, on dirait plus des êtres bah, vivants du coup, puisque t'as du sang et tout, c'est... Ça... Ok. Waouh. Ouais. Et du coup, Poppy, elle est où? Log code 08502. In relation. Experiment 1006, the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Bonsoir. Et du coup, on a le troisième code ou pas? On l'a pas eu? Si je ne m'abuse. Non, on n'a pas eu le code. Putain, elle aurait pu le lâcher avant de crever, quoi. Ah, on parle de Poppy. Attends. Salut! Salut. Et on a eu le code. Did you kill her? Non. Good. I'll board the train. We need to leave. D'accord. Ok, on se calme avec les bruits là. C'est quoi ça? Putain, y'a plein de trucs là. Attends. Y'a quoi là? Bon, ça c'est le truc. Alors. Instruction, commencez par vous présenter au poste de contrôle. Gardez toujours une distance minimale de 20 mètres avec mon Milan Legs.
Le train arrivera avec les enfants à 8h. Tous les enfants seront rassemblés à l'intérieur de la station de jeu en même temps. L'ordre des jeux devrait être Musical Memory, Whack a Woogie, puis Statue, ce qu'on a fait. Une série de ponts et de portes de la station de contrôle devrait vous guider vers chaque jeu. Mommy Long Leg peut aider à accompagner les enfants à chaque match. Un seul enfant devrait jouer à un jeu à la fois. Les enfants qui ne jouent pas à un jeu attendront dans la Game Station. Donc là où on est. Il y a de l'équipement de terrain de jeu pour les divertir. Ok. Enregistrer la performance de chaque enfant en fonction de chaque jeu. C'est bizarre qu'ils mesurent les jeux. Enfin, ouais, je sais pas. Mémoire musicale. Sang-froid, mémoire, reconnaissance des formes. Waka Woogie, c'est coordination œil-main, temps de réaction. Statue, agilité, force, vitesse. Une fois les enfants partis pour la journée, retournez au poste de contrôle. Remettez tous les rapports à Miss Stella Greiber pour faire le tri. Pour faire le tri. Des enfants ou des papiers? Alors, nature de la demande. Fenêtre dans la station de jeu. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà passé des semaines sans fenêtre, pièces éclairées artificiellement, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est loin d'être agréable. Les enfants aussi deviennent chahuteurs. Vous pouvez juste le voir sur leur visage. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'obtenir de la lumière naturelle ici, mais il y a d'autres moyens, n'est-ce pas? Je pense à de fausses fenêtres tout autour. Faites ça et bam! Il y a de la vraie vie ici. Je l'ai vu à la télé la semaine dernière. Cet endroit souterrain avait de fausses fenêtres, de grandes lumières derrière une vitre. Cela donne à tout l'endroit une sensation de soleil. C'est bien! Vous voulez que tout le monde soit dans le bon espace de tête pour ces jeux, n'est-ce pas? Faites la bonne chose, rajoutez des fenêtres. Très bien. Rajoutez des fenêtres. Donc, du coup, pressez les boutons du train dans cet ordre exact. Une fois complété, assurez-vous de tirer le levier pour, en gros, commencer le départ. Let's fucking go. Et là, en fait, elle est pas morte. Bonsoir. Oui. Are you, Poppy? Ah bah, j'entre de l'autre côté, cette fois. Y'a pas un... Attends, ouvre là. Tant que ça ouvre, je crois pas qu'il y ait de trucs cachés. Bon, et bah ça s'est rechangé. Donc c'était ça, et ensuite le code couleur c'était... Attends. Rouge, jaune, rouge. Donc rouge, jaune, rouge, bleu. Et ensuite c'était... 3, 2, 4, 1. Donc, 1. Ah non, je suis con. Non, c'est dans le... Alors, droite, gauche, gauche, droite. C'était quoi? Attends, je sais plus. 1, 2, 3. Donc, tac, tac. Hein? Où je dois faire le... Ah, les malins, ça se trouve, je dois faire 3. Merde. 3. Je sais plus. 2. Putain! Je me trompe de touche. 3, 2, 4, 1. 4, 1. 4, 1. Ah, bah voilà! Et ensuite. Ah, je suis con, il y a le levier. On avance, on avance. Trop bien. Et il nous emmène où ce train? Et imagine, on écrase la Kissimissi là. Merci. Too perfect to lose. I'm sorry.
I can't let you leave. Ah. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... De quoi? Il lui est arrivé quoi là? Ah non, pas encore un problème. Oh, cette lumière. Il va un peu vite le train, je trouve, non? Ouais. Pourquoi il... Hein? De quoi? J'ai cliqué dessus. De quoi? Quoi? Ah, une safe speed. Nya! Oh, c'est bien ce que je me disais, il allait vachement vite là. Oh putain. Wow, wow, putain. Ah bah bravo. Ah, et la fin du chapitre 2 de Poppy Playtime. Et bah, il était incroyable ce chapitre. Du coup, on reste quand même avec pas mal de mystères une fois de plus. Hein. Genre, quelle est cette main qui a chopé Mommy à la fin? Pourquoi il y a Kissy Missy qui est gentille? Après, la vraie question, c'est est-ce que Poppy est vraiment gentille? Parce qu'à la fin, elle a dit qu'elle voudrait carrément pas nous lâcher, quoi. Qu'elle voudrait pas qu'on se casse. Bon. Et bah, hâte d'avoir le chapitre 3. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Moi, je dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.